La guitare acoustique, c'est un instrument qui est unique, c'est un instrument qui résonne, qui est plaisant à jouer, et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis mes tout débuts à la guitare. Aujourd'hui, on parlera pas beaucoup de musique, mais on va se pencher plus sur les instruments. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un petit peu la fibre du collectionneur. J'aime les guitares, j'aime les beaux instruments, j'aime les bons instruments. Je sais toujours apprécier une guitare pour sa sonorité, son look, son odeur, pourquoi pas? Avec le travail et les années, j'ai eu la chance quand même de mettre la main sur plusieurs super beaux instruments, et ça m'arrive vraiment souvent de me faire poser la question sur YouTube dans les commentaires, avec quoi est-ce que tu joues Eric? C'est quoi le modèle de ta guitare? Qu'est-ce que tu préfères comme style de guitare? Donc aujourd'hui, je vais vraiment mettre le spotlight, donner la vedette aux instruments. Je vais vous parler un peu de mes trois principales guitares acoustiques que j'utilise dans le travail de tous les jours en studio et aussi, bien sûr, dans les tutoriels pour que je joue la guitare. On va parler un petit peu rapidement de ce qui fait les forces et les faiblesses, bref, ce qui forge la personnalité de chacune de ces guitares-là. Alors, on se lance tout de suite avec la première candidate, ma bonne vieille Martin D41. Alors la voici, cette Martin D41, vraiment une guitare qui est un standard de l'industrie, hein. C'est vraiment, Martin est une compagnie qui est sur le marché depuis les années 1800, ce sont les pionniers dans le monde de la guitare acoustique, et le modèle de cette forme-ci, le modèle Dreadnought, avec une table d'harmonie en épinette et des côtés et un dos en palissandre, c'est probablement le modèle le plus copié chez tous les fabricants de guitares, et c'est sûrement ce qui a fait la renommée de la compagnie Martin. J'ai toujours vraiment, vraiment beaucoup aimé ce modèle, la D41, ainsi que la D42, parce que, contrairement à leur grande sœur, la D45, elles valent environ 10 000 $ de moins pour seulement quelques incrustations de perles de moins, mais somme toute, le look est presque identique, la qualité sonore est absolument identique, et c'est vraiment des modèles qui sont professionnels, mais quand même plus abordables que la fameuse D45. En termes de sonorité, c'est une guitare qui est assez autoritaire. Ça va avoir beaucoup de basses, beaucoup de hautes et un petit peu moins de mid. Donc, c'est une guitare qui va avoir un peu une égalisation, un EQ en bonhomme sourire. Et c'est quelque chose qui fonctionne super bien pour tout ce qui est strumming. C'est une guitare qui aime ça lorsqu'on lui en donne à la main droite. C'est vraiment une guitare qui est parfaite pour tout ce qui est accompagnement. Bien entendu, on peut faire tout le reste avec ça aussi, même si c'est peut-être pas sa spécialité. Les arpèges, le Travis picking, le fingerstyle, tout ça va super bien sonner avec une guitare comme ça. Deuxième candidate, je vous sors probablement ma petite préférée, et je parle ici de ma D18, encore une fois, de la compagnie Martin.
La voici donc, cette D18. Le modèle exact, en fait, s'appelle la D18 Authentique 1939 AG. La série Authentique de Martin, en fait, est vraiment une série que j'affectionne particulièrement. C'est pas compliqué, ils vont prendre des modèles de guitare d'avant-guerre, alors des pièces de musée, littéralement, des super guitares qui valent une fortune. Ça va aller de 30 à 50 ou 100 000 $ pour une guitare de cette époque-là. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont les cloner au millimètre près. Ils vont traiter le bois pour que le bois sèche comme un bois qui aurait séché pendant 70 ans. Ils vont utiliser la même colle qu'à l'époque. Vraiment, tous les matériaux sont pensés pour aller chercher vraiment le feel et la sonorité d'une guitare d'avant-guerre. En termes de composantes, c'est une D18 classique, alors c'est une table en épinette d'Adirondack sur celle-là, avec de l'acajou pour les côtés et le dos. En termes de sonorité, une D18, j'ai toujours trouvé ça extrêmement équilibré. Ça a quand même un petit boom dans les basses, parce que le corps de la dreadnought quand même donne beaucoup de basses naturellement. Ça va avoir un petit focus au niveau des fréquences mid, au niveau de l'acajou. Là, on va avoir plus de focus dans les fréquences mid et un petit peu moins de haute qu'avec le Rosewood. Donc, c'est une guitare qui a un petit peu moins de basse que la D41, mais quand même assez charnue dans les basses et surtout plus de fréquences mid. Donc, c'est vraiment une guitare qui va bien percer dans un mix. Les chanteurs qui veulent s'accompagner vont beaucoup aimer des modèles comme ça ou comme les Gibson J45. Ça marche super bien avec la voix, justement. Donc, c'est vraiment une guitare qui est très, très, très complète, qui sonne super bien, un bel équilibre des fréquences. Et on l'écoute à l'instant. C'est vraiment une guitare aussi qui fonctionne super bien pour tout ce qui est bluegrass et country. Les solos vont vraiment bien percer grâce aux fréquences mid, justement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile à entendre dans un mix lorsqu'on joue avec plusieurs instruments. C'est joli, n'est-ce pas? C'est vraiment un son duquel je ne me lasserai jamais. Fait que vraiment, une D18, toujours un winner. Finalement, ma troisième guitare acoustique, une guitare que je vais utiliser surtout live, en spectacle, parce qu'elle a vraiment des super belles qualités au niveau de l'électronique et de la configuration, qui en font vraiment une super bonne guitare pour les spectacles. La voilà donc, la Mayton EBG808, une guitare australienne, super intéressante cette guitare-là, c'est complètement différent des Martin. Là, on a une guitare qui est en érable au niveau du derrière et des côtés. Ça a un son qui est beaucoup plus clair, on n'a pas beaucoup de basse dans cette guitare-là. Et ce qui va vraiment faire la personnalité de cette guitare-là et son gros atout, c'est vraiment la balance entre les fréquences. C'est un équilibre, il n'y a pas beaucoup de basse, pas beaucoup de mid,
pas trop de haute non plus. Il y a rien qui manque et il y a rien qui est pas assez. Dans cette guitare-là, c'est vraiment une ligne droite en termes d'égalisation, cette guitare-là. Et ça fait en sorte que lorsque je l'amplifie avec le système intégré de micro, en spectacle, ça a vraiment un son là, qui va me permettre de jouer autant dans le bas du manche que dans le milieu, que dans les toutes hautes. Aussi, on a un cutaway sur cette guitare-là, donc lorsque je vais arriver pour faire des solos en spectacle, ça va me permettre d'aller beaucoup plus haut facilement. Donc c'est vraiment une guitare qui est un bon outil là, pour tout ce qui est, comme je l'ai dit, là, tout ce qui est live en spectacle. C'est vraiment une guitare que je vais traîner très 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 souvent. Elle a aussi bien sûr une belle sonorité acoustique. C'est pas aussi impressionnant dans les basses que les Martin, mais ça a un son qui est différent, très très fun pour le fingerstyle, pour jouer un petit peu plus doux. Les harmoniques sortent super bien sur cette guitare-là. Vous voyez que contrairement aux deux autres guitares, on a vraiment moins de basses fréquences. Mais comme je vous ai dit, son gros atout, c'est pas de sonner impressionnante, c'est d'avoir un bel équilibre. Donc si je pars par exemple du bas du manche vers le haut, il n'y avait aucun trou. Donc, il n'y a vraiment aucun trou sur cette guitare-là. Les cordes médianes vont sonner super bien articulées. Parfois, dans les petites cordes aussi, elle a quasiment une qualité de guitare classique. Je trouve les hautes fréquences, même si c'est de l'érable, les hautes fréquences sont vraiment super bien équilibrées sur cette guitare-là. Là. Pour tout ce qui est Travis picking, fingerstyle et pick à pouce, c'est vraiment une guitare qui est superbe aussi parce qu'on va vraiment entendre super bien tous les petits détails à travers les motifs de picking à cause de l'égalité entre les cordes. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, le petit cutaway va être vraiment, vraiment pratique pour tout ce qui est solo en spectacle. C'est le fun d'avoir un bel accès aux aigus. Au fond, c'est simplement une guitare qui joue vraiment super bien, qui négocie bien des passages très très rapides et une guitare qui sonne vraiment bien en spectacle. Avant de vous laisser, je vais vous jouer un riff de guitare, le même riff avec les trois guitares, pour que vous entendiez vraiment bien c'est quoi la différence de sonorité entre chacune de ces trois belles bêtes. J'ai bien hâte de vous lire et de savoir laquelle vous avez préférée dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton « Abonner » ou « Subscribe » et nous envoyer un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Venez aussi nous rejoindre la belle communauté Je joue de la guitare sur jejouedelaguitare.com. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde. Bye bye!